lutte pas contre la mode avec une tablette toute en métal qui est juste magnifique. Alors un processeur Intel, ici du Windows, donc là il est marqué un Core M, 4Go de RAM, 128Go de ROM, donc le nom, son petit nom de scène, à mon avis ça va être la W9. Ici, on va regarder si on peut la mettre avec une main. Ah voilà, en fait voilà. Il y a deux petits crans, vous avez vu dessous, pour mettre la tablette. En fait, vous pouvez la mettre directement dessous ici. Donc si vous la mettez à côté, ça ne marche pas. Oh, j'y arrive avec une main, donc c'est bien la preuve, c'est pas trop compliqué. Je me suis un peu avancé. Ici, voilà. Là, on ferme. Et on se trouve avec un laptop. Voilà, qui est plutôt sympathique. Ici, connectique USB. À l'arrière, rien du tout. On va aller un petit peu de ce côté-là. Là, on trouvera les ports classiques. À l'emplacement de ta carte ici, micro SD. Alors, on n'arrive pas bien à voir et tout. Non, un produit qui est sympathique. Hein. Donc là, vous l'aurez noté, c'est la Core. Hop, ici, la W9. On essaiera de prendre. Contact et prix. Apparemment, le boss, c'est lui là-bas. On va attendre notre tour. Et puis après, bah, à mon avis, c'est un produit qu'on pourra vous tester prochainement.